Batuk, auteur du deuxième essai. Ducalcon, ah, coup de pied à suivre de Luc Ducalcon, bien fait, mais directement dans les bras de Dylan Armitage. Et ses grandes enjambées, Armitage qui sert Palisson, qui repique vers l'intérieur à sprint d'Alexis Palisson, stoppé par son compère de l'équipe de France, Zarzewski. Ballon toulonnais, Thiusbourg, Guito, Wilkinson, cherche intérieur finalement, sert Armitage, Bastaro face à Vakatawa et à Germain Bastaro qui avance, qui se rapproche de la ligne du Racing. Thiusbourg éjecte avec Guito qui a vu le trou, qui le prend, il ne passe pas, retrouve Thiusbourg. Thiusbourg plaqué par Machenot. Grosse séquence toulonnaise. Carleman charge du pilier All Black qui avance encore. Bastaro, bonne défense du Racing et Monsieur Reynal va revenir à la faute qu'il a vue. On va regarder quand même si on ne la joue pas vite. C'est ce que fait Van Niekerk, le capitaine toulonnais tout seul, stoppé à quelques centimètres. Là, il faut marquer. Hein. De l'embut du Racing, ballon éjecté par Thiusbourg. Wilkinson, la longue sautée pour l'essai de Vincent Martin, intérieur Guito et le doublé de Matt Guito sur la passe du tout jeune Vincent Martin. L'arbitre accorde l'essai. Voilà, il s'est demandé, sans demander la vidéo. Ouais, il s'est demandé si la passe était en avant de Martin à Guito. Voilà, c'est joué. Initiative de Van Niekerk. Là, il faut marquer, obligé. Le ballon sort rapidement. La clairvoyance, le geste technique aussi de Wilkinson qui donne ce ballon au large. Et Guito qui sent bien le coup. Bien joué aussi de la part du jeune Martin. Vincent Martin, 20 ans à peine. Qui là aurait pu aller marquer son premier essai de sa carrière. Sobad le plaque, Guito est à l'intérieur, doublé de l'ancien Australien, le Wallabies, l'une des vedettes de l'équipe des Wallabies, Matt Guito. Toulon revient dans le match sur cette décision de son capitaine Van Niekerk de jouer vite cette pénalité. Et bonne inspiration hein, des Toulonnais, puisque Pierre Mignoni, lui, souhaitait prendre les 3 points. Comme quoi, il ne faut pas toujours écouter. Changement, hein. Poste de pilier côté toulonnais avec la sortie de Sheridan, remplacé par le gallois Jenkins. Alors on va s'attarder sur la transformation de Johnny Wilkinson avant d'aller faire le gros plan de Galen Jenkins qui vient de rentrer. Le score 21-18. Si Wilkinson passe cette transformation, Toulon revient à un point du Racing. Contre le vent. Oh, c'est bien tapé. Et ça passe. Racing 20.